Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de ma cuisine Mona Cooking, je vais réaliser un condiment pour accompagner nos repas, le déguster en plat ou en entrée. Donc, c'est à base de carottes. J'ai épluché mes carottes, je les ai coupées en rondelles. Je vais les faire cuire dans de l'eau, dans un grand volume d'eau et du sel. Les frais savoureux, piquants ou pas, c'est très très bon. On peut le manger le midi ou le soir, accompagné d'une viande ou du fromage. C'est délicieux. Vous allez voir. L'arbien, ce mot, le kimia. C'est riche en parfum. Vous allez voir ce que je vais mettre dedans. C'est simple, c'est rapide, c'est délicieux. Là, quand il n'y a rien, quand on n'a rien, on trouve ça dans le frigo et il fait l'affaire. J'ai choisi de faire ce condiment parce qu'il fait très chaud et c'est le moment de manger des petits plats frais, faciles, rapides, économiques. Et les carottes, c'est pas le plus cher au marché, au fait. Et vous allez voir, c'est un petit plaisir qu'on peut manger facilement. Donc, une recette simple et rapide, goûteuse aussi. Et fraîche, j'aurai besoin donc des carottes cuites à l'eau et écrasées. J'aurai besoin de 3-4 petites choses toutes simples, une gousse d'ail, une petite cuillère à café d'harissa, une petite cuillère à café de cumin moulu, quelques tomates cerises. Et des œufs durs. Moi, les miens, ils sont en train de cuire. J'aurai besoin aussi de 3-4 cuillères de l'huile d'olive. Donc, mes carottes sont prêtes. C'est un écrasé de carottes. Je vais mettre le cumin. Je mets l'ail haché. Je mets la petite cuillère d'harissa et je mélange. Je mélange le tout. Voilà, j'ai oublié de vous dire, j'aurai besoin aussi de 2 cuillères de vinaigre de pomme et une petite tranche de citron. Voilà, donc déjà ça en premier temps. Et on continue. Bien mélanger, hein. Sans oublier la coriandre moulue. Désolée. Donc, j'aurai besoin écrasé de carottes cuites à l'eau et le sel, 2 gousses d'ail hachées, une petite cuillère de cumin, une petite cuillère d'harissa. J'aurai besoin de l'huile d'olive. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de vinaigre de pomme ou autre. Et j'aurai besoin de petites cuillères de coriandre moulue. Et sans tarder, regardez, je vais mettre une petite cuillère de coriandre moulu. Voilà. Voilà tout, ça donne du goût. Les carottes aiment le cumin et la coriandre moulue. C'est parfumé, ça sent bon là. Voilà, je mélange bien. Là, je mets l'huile d'olive. Voilà. On est bon. Le vinaigre. Voilà, tout est là. Je mélange. Et on passe au dressage. Ça sent trop trop bon. Voilà, حبيباتي الطبق تاع اليوم هي كمية بالسنارية بالجزر، غليته في الملح ودرته كي لا بوغي،
ومن بعد حطيت له الكمون، كزبر قرحي، حطيت له زيت الزيتون، حطيت له زوج مغرفات تاع الخل، وواحده ولا حطيت له البيض مغلي. التزيين كما حبيتو، ولا ديكو شاكان اي في ا سا كونفينونس. لي طومات لي بوتي بيمون سي با انديسبونسابل. La base, c'est les carottes et les épices, et un peu de coriandre fraîche et les œufs. Voilà tout. Moi, je sens que je vais me régaler. N'oubliez pas quand même de vous abonner à ma chaîne, Mona Cooking, de liker les vidéos, de laisser des commentaires et d'appuyer sur la petite cloche. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais de gros bisous et à très très bientôt.